Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un brisage PA sur une ceinture en Gridrill. Voilà, brisage PA qui nous est proposé par un abonné qui nous propose souvent du contenu. En l'occurrence, on brise des PA là-dessus puisque j'ai besoin de toute une panneau Gridrill pour un nouveau mode PVP que je vous prépare. Et donc, il nous propose des PA à briser et si on sort un beau jet, je lui rachèterai. Comment gérer ça? Je pense qu'on va commencer par une passa. Là, on vise vraiment du near perf pour mettre une rune transcendance dessus. On va go passa en premier. Je commence toujours par les plus grosses runes possibles qui ne nous amènent pas à la ligne maximale concernée. En l'occurrence, la passa est la plus lourde. Alors, on pourrait mettre une racha, mais je préfère garder les stats à 50 pour monter de 50 à 60 après plus facilement. Parce que de passage 57 ou 58 à 60 peut être très compliqué à y aller à la pas. Donc ça c'est quelque chose que je préfère gérer avec un peu de marge, donc on go pas ça. Ok, ça passe. On va remonter les res qui sont en sous-G. Je vais monter les res à nouveau. La passa maintenant. Ok, le crit. Je vais encore monter les res. On va mettre une par écrit. Je vais équilibrer un petit peu les dommages ici, remonter le tacle qui est en sous-G. J'aimerais bien monter les raids à 14, ok c'est pas mal. On va mettre les dommages à 11, alors on a du full crit, bah super, on se régale. C'était pas spécialement le but. Bon, là je vais les laisser à 11 les dommages, pareil vous voyez à chaque fois je m'arrête à 1 de la valeur maximale et j'attendrai que le PA tombe pour monter et maxer toutes les lignes. On va mettre 1 de tacle, ça crit, bon pour l'instant ça se présente plutôt bien. Les par écrit, je vais les garder parce que ça pourra me servir pour gérer deux over, quoique je peux monter à 19. Bon, il y a du full crit. On va faire un G-perf exopéa hein, si on continue comme ça, c'est absolument magnifique. Que mettre comme rune là? On va pas se précipiter. Je pourrais mettre une racha. On va plutôt y aller très tranquillement. Je vais garder les récrits à 19 max. Voilà, j'y vais très tranquillement. Ok, c'est très très bien. Bon, on a la sagesse à 38, elle va être bloquée à 38, c'est un peu dommage, mais globalement, ça se présente très bien. On a 2 depuis, si je regarde un petit peu au-dessus. Plus 95, est-ce que j'avais un peu de plus en rap d'avant? Je ne pense pas. Hein. Là, j'avais plus 3, moins 3, moins 2. C'est quasi sûr que j'ai pas de plus en rap. On est à 97. On va devoir commencer par la vitalité. Ah, on va avoir un over de 14. Ça, c'est terrible. Comment on va gérer ça? On n'aura pas d'autre choix que d'avoir une vita qui est pas très propre. Il faut qu'on ravit. Ok, elle passe. C'est une bonne chose. On va aller la récupérer en pacha. Ça peut nous faire moins 15 ou moins 16. On espère le moins 15. Alors, c'est bien aussi, ouais. Bon, voilà, moins 15. Bon, ça se présente vraiment bien pour l'instant. On peut viser un G, full perf, moins un vita, moins 2 sagesse, dans le meilleur des cas. C'est pas mal du tout, franchement. Je vais mettre un petit de haut. Moins 10. La pacha. Moins 3. Ah, j'aurais limite pu. Ouais, j'aurais peut-être dû aller chercher, accepter le 48 chance. C'était peut-être un peu greedy là, je partais dans l'optique du coup d'aller chercher le perf stat. Bon, on va voir. On va mettre la repair. Nice. Moins 6. Allez, il faut mettre la rafo. Oh oui, cool. On a encore beaucoup de puits, hein. On est à 58. Je peux soit spammer les pachas, soit mettre une racha. Le propriétaire de l'item me dit plutôt pacha. On va juste mettre une par écrit avant. Ah bah oui, c'est la meilleure idée ça. Oh, terrible ce que je viens de perdre. Et on y va à la pacha du coup. Quoique. Ok, pacha, allez.
Là, j'ai moins 15 pour l'instant. Il nous reste 19. Je pense que c'est mieux d'aller chercher tacle et ricri, hein. Je pense que bon, c'est discutable. Lui, il était chaud pour aller chercher les 60. J'aurais peut-être dû accepter 58 chances depuis 48 en y allant à l'arrachat. Bon. Oh là là, les paris écrits qui veulent pas. Bah, il reste un. Plus de puits. Compliqué à faire cet item, hein. Ah, les ricris ont défoncé le puits. Pourtant, c'était même pas pour passer à la verlan max, hein. C'était de 19 à 22. C'est assez étonnant qu'on ait perdu 24 comme ça. Pourtant, le brisage commençait très très bien. Bon, c'est un peu triste. Du coup, il n'y a pas grand-chose à en faire en l'état de l'item, là. C'est pas un jet incroyable. Bon, c'est un bon jet qui pourrait déjà être un petit peu compliqué à chercher sans brisage PA, mais... C'est pas non plus un jet de dingue qui justifie forcément le brisage. Je lui demande ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce qu'on retente un PA? Ou est-ce qu'il le garde comme ça pour la revente? Ah, c'est dommage que ça ait troll comme ça. Ok, il va la revendre. Bon, je pense qu'il peut en tirer un bon prix quand même. Dommage qu'on n'ait pas eu le petit tacle. Ça aurait été bien que les paris écrits prennent 6 de moins et qu'on ait une tenta sur le tacle. Ça aurait fait un truc un peu stylé, quoi, mais... Bon. Un petit peu déçu de ce brisage, je vous avouerai. Ça partait plutôt bien. Bon, c'est les aléas, hein. La forge de magie, le brisage, c'est pas une science exacte, hein. C'est un petit peu chaotique parfois. On va être amené à faire d'autres brisages PA, hein, sur tous les items de cette panoplie. Panoplie que je vais jouer pour un mode terre PVP. Voilà, je vous annonce un petit peu la couleur. Panoplie que je trouve très intéressante sur pas mal d'aspects. On en reparlera sur des vidéos Theorycraft plutôt. On fait un brisage PA sur un masque brûlame. Alors, c'est l'item d'un abonné qui me demande de lui briser, mais cet item se destine à remplir une commande qui a été passée par un autre joueur. Donc ce qu'on vise, c'est un G sans les dos neutres. On va négliger les dos neutres, il n'en a pas besoin. 68 de stats, 30 de sagesse, 11 dommages, le reste perf, et il faut au moins 425 de vitalité, donc un overvita assez conséquent, sur un item sans puits, donc évidemment c'est du brisage PA. C'est parti. Alors on va commencer d'auteur. On équilibre le G comme on peut. On va remonter ça. Et là maintenant on va mettre les plus grosses runes, hein, tout simplement. On va laisser les stats. Ok, il a pas ça qui passe pas. On va laisser les stats assez basses. En dessous de 58 pour aller chercher les 68 à la RA. Décidément la force qui veut pas. Faut espérer que le PA tombe au plus vite. Oh, deux fois que la passe, ça passe pas. Faut mettre des grosses runes pour essayer de faire tomber le PA, mais il faut pas non plus mettre des runes qui sont trop compliquées à passer, c'est un compromis à trouver. Bon, là, c'est mort, hein. Le PA qui tombe pas, on va Gora. C'est fini. Le PA n'a pas voulu sauter, bah c'est mort. C'est la tristesse du brisage, hein. C'est quand le PA veut pas toper, il veut pas tomber, et c'est mort, puisque chaque rune qu'on passe avec le PA a beaucoup de mal à passer, puisqu'il y a un exo-PA sur l'item qui alourdit l'item, en fait. Toujours pas de passa. Et bah à partir de là... Waouh! Bah écoutez, c'est bien, ça. C'est super, bon. Hop, hop. Allez, hein, on va jouer. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel on arrive à choper le G visé avec l'over, mais j'y crois moyen. Tac. Sur un malentendu, sur du full crit, il peut se passer un truc. Hop. 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 Tac, tac, tac. Attendez, mais en vrai, j'étais en mode trolling, mais...
Bon, de toute façon, il faut au moins. Attendez, je vais quand même compter le puits pour optimiser les paviers ravis. Alors ça, c'est un peu inattendu. Je remonte un petit peu. On était. Ok, là on a 0. Là j'ai 3. Là j'ai plus 1. Là j'ai moins 3. Là j'ai plus 95. Moins 5. Moins 8. Moins 12. Moins. Allez, 9, on va dire. Moins 9. Moins 30. Moins 18. Ok, il reste 5. Ouais, c'est pas folichon. On peut faire tac, tac, tac. Et c'est mort. On va tenter le crit, hein, tant qu'à faire. Ça passe pas. Bon, celle-là est morte. Sauf que. Évidemment, c'est pas le premier PA qu'il brise là-dessus. Et. Alors attendez, d'abord faut qu'on mette un PA. Selon le boss, hein, j'obéis au propriétaire. Pas de PA, c'est pas de chance. Et alors il en a un autre qui l'avait fait aussi. Il a brisé pas mal de PA hein, pour essayer de choper le G souhaité. Je sais pas à combien la personne veut le racheter d'ailleurs. Je vais demander. Quel est le prix auquel l'intéressé achète l'item si on arrive à le passer? Donc là, c'en est un autre qui a été fait, qui est assez impressionnant avec le 12 d'eau, y compris neutre. Je trouve que c'est déjà un jet qui est absolument monstrueux pour cet item. Mais le propriétaire veut qu'on tente le crit ravi là-dessus. Donc écoutez, faut être joueur dans la vie. Ça, c'est déjà un jet qui est hyper dur à atteindre sur cet item. Hein. En brisage PA, c'est déjà très 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 chaud. Alors. Pour le prix, apparemment tout le monde dit que c'est infaisable, donc il n'y a pas encore de prix qui a été fixé. Ok. Bon, c'est vraiment un jet de fou ça. Moi j'aurais eu ça en ma possession, en fait là je dirais en full painé pour. Enfin full, je mettrais une painée et j'essaierai d'avoir un moins 16 et j'espérerais avoir un moins 6 à la Runini derrière pour avoir un jet near perf pour grader pour une transe. Mais monsieur est joueur, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tentent des belles choses. Hein. C'est comme ça qu'on fait des dingueries en Forge de Magie. On va donc tenter le crit ravi là-dessus, et si on passe un crit là-dessus, c'est une dinguerie. Pas de crit ravi, les amis, sur ce jet qui était déjà inestimable avant qu'on tente la rune. C'est bien dommage. Alors après. Ah, il veut qu'on continue un peu. Ok. Je pense qu'il veut que je lui enlève l'over. À mon avis, on va go là-dessus. Je pense que là, le mieux, c'est une rune réter. Je vais lui demander confirmation qu'il veut bien que je la mette. Je pense que du coup, pour avoir un G qui restera revendable. Ah, ça joue le beau jeu. Ok, il me dit, bon, de toute façon, il retentera des PA dessus, il me dit. Ok, les amis, bon, bah écoutez, fin de ce brisage PA ambitieux. Je pense que, bon, il y a quand même beaucoup de lignes qui sont négligées dans le jet souhaité par la personne qui passe la commande. Donc à mon avis c'est atteignable, mais en revanche là sur ce jet qui avait les 12 dos, j'aurais jamais tenté le crit ravi, hein, mais bon, c'est pas mon item, je respecte. Alors attendez, il veut me. Qu'est-ce qu'on veut me faire là? Il veut me donner l'autre, je sais pas trop ce qu'il veut, mais très bien, je respecte. Ok, on va partir apparemment sur un brisage PA casse-consonne. Il veut faire un peu de sorcellerie, que veut-il faire? Bon, on va déjà cacher tout ça. Ok, donc là, le cahier des charges, 295, Vita, 58, Stat, 38, Sagesse, le reste perf. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vais laisser la force et l'agi en dessous de 48. On peut go pas ça. Merci au chat qui me rappelle de changer la scène. C'est vrai que c'est mieux. On peut soit go dos, soit pas ça. On va tout le temps maximiser la plus grosse ruine possible. Hein.
Allez, la sauvegarde évidemment du serveur. Ok, ça casse pas le PA, dommage. Avant la réavis, j'estimais à combien? En vrai, si quelqu'un cherche vraiment ce genre de jet, une bonne centaine de millions à mon avis. En tout cas, pour le jet d'avant, si j'en avais eu besoin pour un mode, j'aurais été prêt à lâcher facile 100 millions, je pense. Alors, on va go là-dessus. Ah, mais j'ai plus de runes. J'ai pas de runes réécrit. Alors ça, c'est un peu unlucky, bon. On a 2, 3. On a plus 5,4. Plus 1, moins 9. Plus 94, on est à 94,4 depuis. Ça se présente pas trop mal. En vrai, les congruences sont bonnes, là. Ce qui m'inquiète, c'est juste les réécrits. Voilà, j'aurais pas besoin d'en racheter, en fait. C'est parfait. Ok, ça, c'est cool. On va venir chercher les dos. Ok, on commence par un peu de crit pour se mettre en forme, c'est toujours pas mal. La fuite, non mais c'est comme ça, on économise le puits en fait, c'est full opti. Ça c'est ma technique spéciale. Je vais peut-être pas viser le perf force. Bon, je vais déjà monter à 50 force, moins 6. Là, on a 86,4. Je vais garder la force pour la fin, pour savoir si je tente la RAFO ou si je sécurise à la PAFO. On va mettre la Vita. Sérieusement, là, c'est ma vie, ça? Mais... On est dans une dimension parallèle là ou qu'est-ce qui se passe? C'est bien sur les pavis que je cliquais, c'était pas sur les ravis? Ou ni sur les lire une vie? C'est quoi cette merde en fait? On se fait arnaquer un brisage PA comme ça, genre tranquille. Attendez, mais là c'est de l'abus là par contre. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Hein. À 282 comme ça? La pavis qui dit non en fait, c'est juste. Bah c'était bien à peine de crit les runes d'avant quoi. On va quand même compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah oui. Ça fait un moins 42 de puits, ça je reconnais ça. Il reste 44. Mais on est où là? Vas-y, on va essayer de finir le brisage, mais je suis abattu. Je suis complètement abattu, en fait. Ça partait tellement bien, en plus. Il reste 20. On va aller chercher plutôt les 59 forces. Hein. Ce serait trop greedy de mettre de la RAFO, là. Il me reste 11. On va aller chercher les dos plutôt. Il me reste un. Fini. On aurait pu sortir un near perf si on s'était pas fait troller à ce point. Il manquait pas grand chose là. Une passa, un doer, une fuite. 42 de puits pour une pavie, mais on est où là? Ça m'est jamais arrivé, c'est incompréhensible, on était encore très bas sur l'item, les autres lignes n'étaient pas montées. Le jeu de base du brisage était bon, hein. On était à 15 retraits PM. Je me suis jamais tapé ça de ma vie en forge de magie sur un brisage PA. Bon bah écoutez, c'est un peu dommage. D'autant plus que en plus j'avais besoin de cet item pour PVM sur Sadida. Ça m'aurait intéressé de lui racheter en IRPERF. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi dire là. On va s'arrêter là du coup. On fait encore brisage PA sur masque brûlame.
Toujours pour essayer, comme précédemment, d'atteindre 1G. 68 stats, 30 sagesse, 11 dommages sauf les deux neutres qui ne servent à rien. Et Overvita pour répondre à une commande d'un joueur qui veut ça. Voilà, donc bah, c'est parti. C'est parti. On va mettre dos encore. Ok, bah, ça se passe mieux que sous la dernière session, hein. La dernière fois, j'ai dû balancer 60 runes, c'est pas tombé. Là, ça tombe au bout de 2 runes, on a donc 96 depuis. C'est pas mal. Alors, on va commencer par les stats, puisqu'on veut du 68. On va devoir over. Attends, il me dit go perf. Alors je demande au propriétaire de l'item ce qu'il veut que je fasse, parce que la dernière fois il m'avait dit qu'il visait un jet particulier pour faire sur commande, mais apparemment il a changé d'avis peut-être. Là il vient de me dire go perf en message privé, donc on va prendre le temps. Bon, ça donne envie de monter à 69 à la païnée, mais c'est vrai, c'est beaucoup trop risqué, je pense qu'on ferait mieux de mettre full rat. Si on a un peu de succès sur les rats, ça peut donner un truc stylé. Ah non, il me dit on essaie de remplir le G. Ok, non, non, c'est fausse alerte. Donc on va viser ce qu'on visait tout à l'heure. C'est-à-dire, enfin tout à l'heure pour nous sur le stream, mais dans une vidéo précédente pour vous sur YouTube. Ok, donc on va devoir commencer par les over, on va commencer par la Rainée. Ah. Bah, c'est super marrant, ça, je reconnais. Ça, c'est du fun, ça. Le fun est très très présent en Forge Magie, hein. Je rencontre souvent ce genre de choses. Bah, c'est un plaisir, ça, vraiment. Tous les jours, ça régale, ça. Waouh! Quel beau brisage! Bon, heureusement, il y en a un deuxième. On s'est fait arnaquer, là, hein, vraiment. C'est le problème des G à l'orbe, hein, parce que pour ça il faudrait les faire les PA manuellement et mettre tous les stats à 58 si on vise du 68 pour faire à chaque fois 58 à 68 à la RA. Et là comme c'est des G qui ont été faits sur orbe, bah c'est problématique en fait, parce qu'ils sont pas calibrés pour atteindre le G souhaité en fait. C'est un peu embêtant. Ok, bah c'est parti. Deuxième. Ok, bon là j'ai les stats qui sont plus basses, donc on va éviter le cas de figure où on est obligé d'over pour aller chercher les 68, c'est bien plus safe, c'est bien plus intéressant. Donc on va dire celui-ci se présente mieux, après bon bah il faut que le PA mette pas trop longtemps à tomber quand même. Je peux pas monter à 16 récris là, c'est ma vie ça. Ok, on va mettre ça comme ça. Je vais tenter une pas de feu. Ça peut paraître greedy, mais ça détruit tout le brisage si le PA saute pas, il faut mettre des grosses runes. Ok, donc là c'est de la merde par contre. L'échec critique fait très mal. On va retenter. Ok, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, dommage qu'on ait eu un échec avant, ça baisse un peu le G du coup. C'est très particulier. On a 85. Plus 2. Là j'ai moins 3, moins 1. Plus 4. Ok. J'ai 87. Pas évident, hein. On va go. Rainer. Pas âge. Le petit crit qui met bien. On va mettre les dommages à 11 maintenant. Donc là, le jet qu'on vise, hein, c'est over vita au max, au moins 425 de vita. 68 de stats, 30 sagesse, 4% crit, 11 dos, sauf les dos neutres. Le reste perf. Alors, on va mettre les stats maintenant. Moins 40, ça fait très mal. On va mettre ça comme ça, le petit crit.
Moins 10. Moins 12. Oh bah ça va faire un bel over vita, ça je reconnais. 14. Ouh bah, on a le G souhaité over vita. Bon, il manque juste un peu de vita, quoi. Ok, bah écoutez, voilà, c'est pas évident. Pour ce genre d'optique, il faudrait vraiment calibrer le jet sur lequel on passe le payard, en fait, pour qu'on maximise les chances d'avoir quelque chose qui sort, qui correspond aux attentes du gars qui veut prendre la commande. Voilà, bon les amis, fin de cette vidéo brisage, du coup, qui était un petit peu soft. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il me demande de remettre une ravie, en espérant que ça tape dans les deux neutres. Ouais, on met des ravis à plus 17, nous. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le chat, là? Bon, je regarderai ça juste après. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ça se tente. Écoute. Il veut à tout prix un gros over. Bon, bah, là, c'est terminé, par contre. Hein. Petit crit. Il veut les forcer à tout prix. Non. Non, 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 il n'y a rien à faire, là. Ça, c'est du jet éclatax, ça. Ça se joue sans brisage, sans problème, ça. À la limite, PA, je pense, hein. Avec un peu de chance, on met un PA, on recasse dans la foulée, quoi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais... J'attends confirmation. Ouais. Pas de PA, ok. Bon, bah fin, pas fou. Je suis vraiment pas fan du côté spam orb PA et brisage PA quand on veut atteindre un jet spécifique. Il vaut mieux faire les jets manuellement et calibrer parfaitement pour ce qu'on veut. Et je pense que ce sera beaucoup, bien mieux, quoi. Voilà, bon, je fais les brisages PA pour les abonnés avec plaisir quand vous me demandez, mais là, pour ce cas de figure, je m'y prendrai pas de cette façon personnellement. Et bah voilà. Il m'a enfin écouté, on a là un jet qui a été fait manuellement, et non à l'orbe, donc qui est calibré avec les dos neutres négligés, et les lignes équilibrées pile poil comme il faut, en dessous de 60 sur les stats, et à 11 sur les dos, donc là on est sur un brisage qui correspond tout à fait à ce qu'on veut faire, donc c'est parti. Il y avait du puits en plus, restant, intéressant. Ok, on va mettre l'appâage. Je vais par écrit. Repère, crit. Ouais. Alors là, je vais pas me risquer à mettre des trop grosses runes parce que les grosses runes, en fait, ça va surtout être des runes qui vont m'amener au-delà de 62 stats et ça, je ne le veux pas pour l'instant. On va juste espérer que on maintient le jet équilibré et que le PA tombe assez vite. Ouais. On va pas ça. Oh dommage, la passa. Quand ça... La passa qui échec, ça fait toujours très très mal. Bon là, ça commence à faire longtemps que le PA tombe pas. Je vais passer à nouveau. J'essaie de remonter les lignes qui sont dégradées. Ravi qui passe pas. Bon, bah. Il me dit ravi encore. On va mettre la pad au feu. Faut absolument casser le PA. Bon, les grosses runes, tant qu'elles passent en neutre, c'est ok, on perd rien. Mais là, le PA qui veut pas tomber. Oh là là. Terrible. Ok, le crit qui remonte un petit peu le G. On va ravi. Pad au. Là, je force les grosses runes. Ça fait trop tard pour casser le PA. Bon, on est quand même... ouais, c'est pas ouf. Hein. Ça a été si long. Vraiment dommage. Pourtant, là, pour le coup, ça se présentait vraiment bien. J'aurais fallu que ça tombe sur une des premières passas que j'ai mises. Ça aurait été nickel. Bon, on a 85. Ça avait reset le puits la ligne d'avant. On va go. Comme ceci. En full crit pour l'instant, évidemment.
Faut que je remonte la force à 60. Bon. On commence sur une belle série de crits. Il me faudrait ça en crit également. Non, c'est pas le cas malheureusement. Allez, on va crit maintenant les grosses runes de stats. Ou alors, non, on va d'abord quand même mettre les doigts 11, moins 10. Allez. Bon, là, on a 4 grosses runes à passer, c'est les 3 rats et le crit. Bon, on a un peu de crit qui rattrape les choses, on a moins 50. Bah, c'est une belle tenta, ça. Moins 6, écoutez. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour balancer les overvies. Ah, bah, il n'y a plus de puits. Ah bah c'est pas de chance. Bon vraiment, là pour le coup le jet était vraiment bien calibré pour le but, mais bah, le PA a mis trop longtemps à tomber. J'ai pourtant osé, enfin j'ai essayé ouais, d'aller chercher les grosses runes dès que je pouvais qui ne touchaient pas la valeur max, donc j'ai mis des passages, j'ai mis des pados. Malgré ça, ça a vraiment pas voulu sauter. Et bah, ça c'est les aléas du brisage, hein. C'est le moment où le PA saute est extrêmement important et souvent déterminant de la qualité du brisage. Pourtant le jet de base avait été fait très sérieusement, donc bah... C'est dommage. Il me dit de tenter le crit ravi fois plusieurs, ouais, j'y crois moyen. Non, c'est dead. Bon bah on y retourne peut-être. Hein. Ok. Encore un brisage là-dessus. Bah c'est parti. Alors on a, on va spammer les grosses runes en priorité, mais pas les stats que je vais laisser en dessous de 50. Donc là on va mettre plutôt pas ça. Ça passe pas. Je vais mettre systématiquement la plus grosse rune possible, on va ravi. Pas ça. Récemment sur mes brisages, les PA tombent jamais, ils mettent tout le temps 50 runes à tomber, donc on va juste bourriner les grosses runes. Pas ça. Mais sans tomber en sujet pour autant. La pado. La rachat. Le tacle est en sujet. Ok, ça c'est pas trop mal. On était à... 3,6 plus 10 moins 9 moins 4 plus 5,6 plus 3 moins 9 plus 0,6 plus 1 plus 2 plus 10 moins 9 plus 8 plus 4 moins 15 plus 96, on a 97,8 depuis. Ok. On va commencer tacle qui est en sujet, le crit qui met bien. On va commencer par gérer la vita, je pense. Moins 10, le petit crit sympathique. On va tenter un moins 7 à la runini, dommage. En ini chasse, ça aurait pu le faire. Ok. La question c'est est-ce que je vise le full perf ou pas? Non. On va viser le near perf en chance, on va pas trop grid. Je vais mettre une par écrit, deux par écrit. Une tacle, deux res, un dommage haut. On va équilibrer les stats. Moins 6, ça va, ça, c'est pas trop gourmand en plus pour l'instant, ça commence plutôt bien. La rafo qui passe, la rachat qui passe, moins 20. Il nous faut repair, moins 12, ok ça va être compliqué là. Moins 6. Reste 4. Fini. Bah c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Je pense qu'on va mettre un PA là-dessus.
Je demande confirmation du propriétaire de l'item. Mais là, c'est vraiment pas ouf. Pas de PA. C'est la fin de cette vidéo dans laquelle vous aurez pu voir un grand nombre de brisages PA. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.